Nang's Reborn. Wow. Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nang's Reborn. Nous avons créé notre chaîne, ça fait 3 ans. Et ici, on se soutient. On se donne à mettre les vrais conseils. Des conseils qui vont nous sauver la vie. Qui vont nous sauver les âmes. Parce que nous voulons aller au paradis. Et non, en enfer. Yes. Ça, c'est chic. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment vous demander de vous joindre à moi afin qu'on puisse prier pour toutes les femmes. Toutes les femmes du monde entier. Ouais, nos mamans, nos jolies soeurs, nos jolies coups. Ouais, les coups. En tout cas, joignez-vous à moi afin qu'on puisse vraiment prier pour les femmes, les filles. Pourquoi? Parce que j'ai vu des choses. J'ai vu effectivement des choses. Yes, j'ai vu des trucs. Et ce que j'ai vu et que j'ai même remarqué, c'est que dans la sorcellerie, il y a de plus en plus de femmes. Dans la sorcellerie là, mon frère, ma soeur, j'ai dit dans la sorcellerie là, j'ai constaté qu'il y a de plus en plus de femmes où, bien, elles sont en train de se faire initier seulement. Elles sont en train de se faire initier, c'est dans la sorcellerie en elles. Elles se partagent, elles font le papatoya, le Congo, ça, même temps, c'est dans la sorcellerie, elles s'initient en elles seulement. Et après ça, elles viennent parmi nous et elles se mettent à boire des bouteilles de champagne, ouais, elles boivent des bières et elles marchent là tranquille. Et toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il y a la sorcellerie dans la go. Tu vois la toucher en même temps. Elle te met de la bouteille. Ouais. Et la plupart des femmes, de ces femmes sorcières, ou ces filles sorcières, elles aiment bien aller se coller au marabout. Tu dis bien, les marabouts. Tu viens vers elles. Dès qu'elles se rendent compte que tu as un peu d'argent et que elle peut te soutirer beaucoup plus d'argent que ce que tu as l'habitude de lui donner. Elle t'envoie dans la boue de le canari, elle mettra dans le canari. Je vois tout ça là, j'ai dit, ouais, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute, nous devons faire quelque chose pour elle. Nous devons faire quelque chose, nous devons pas les juger, ni les condamner. Je pense que nous devons faire un truc. Et la chose que nous pouvons faire, c'est de prier. Parce que tout commence spirituellement parlant. Quand vous priez, vous confiez le problème à Dieu. Maintenant, Dieu, qui connaît bien les trucs d'esprit et qui voit tout, même ce que vous ne pouvez pas voir, lui, il va maintenant vous aider de le combattre. Est-ce que vous voyez? J'ai vu des trucs. J'ai vu des trucs. J'ai vu trop de choses. Dans ma vie, j'ai été combattu. Ouais, combattu par des gens. Spirituellement, comme physiquement. Quand ils venaient m'attaquer spirituellement, là, je voyais des gens qui étaient habillés d'une manière bizarre, noire. Moi, je ne comprenais pas. Mais je ne pouvais pas voir qui exactement m'attaquait. Parce que leur visage était couvert, c'était bien fermé. Mais physiquement, quand le combat s'est intensifié et que les ennemis ont décidé de venir m'attaquer physiquement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir qui est qui et qui m'attaque vraiment en esprit. Et c'est là que j'ai vu des hommes, j'ai vu des enfants et j'ai vu aussi des femmes ainsi que les filles. Et quand je fais le calcul, tout à l'heure j'étais couché, j'ai réfléchi, j'ai dit mais ah, attends, quand je fais le calcul, je vois que il y a beaucoup plus de femmes qui m'attaquent que d'hommes. Ouais, c'est pas de la blague, ce sont pas des histoires. Quand je fais mon bilan là, je vois vraiment que la source de mes problèmes était majoritairement les femmes, la gente féminine. Je me suis dit, mais
What? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas à vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec les femmes? Et je viens de découvrir ces choses. J'ai découvert que le diable aime beaucoup passer par les femmes. Comme à l'origine. On va dire ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Ouais, Adam et Ève. Les deux salauds qui nous ont mis dans les problèmes. Elle est faux. Mais vous avez vu que le diable est passé par la femme, non? C'est-à-dire qu'il est tenté de séduire nos jeunes soeurs. Il est tenté de séduire nos mamans, nos go, pour les amener dans les trucs noirs. Ouais. Et ça nous met tous dans les problèmes. Parce que tout qui n'est pas femme ici. Ça nous met tous dans les problèmes. Regardez ce qui s'est passé même avec Adam. Vous avez vu ce qui s'est passé? Est-ce que vous croyez que le gars n'était pas intelligent? Il était même la première personne à voir Dieu. Dieu le baba tchè. Mais malgré tout ça, la petite co a vu le mec down. Qui a eu KO même. Par un petit péché qui s'est avéré être un grand péché, une désobéissance terrible. Et là, je vais demander aux hommes de faire grave attention, très attention, parce que le problème avec de telles femmes que le diable réussit à tromper là, c'est que la manière le diable les a trompées, elle aussi est pour facilement vous induire en erreur si vous ne faites pas attention. Si vous êtes trop amoureux, les amoureux d'ici là, les abonnés, il y a souvent l'amoureux là. Vous, ça vous parle. Ça vous, les amoureux, vous qui aimez, vous êtes amoureux et tout. Même de l'ampoule qui est là, vous êtes amoureux de l'ampoule. Arrêtez ça maintenant. Soyez très vigilants. Parce que le diable, il ne rigole pas. Quand vous rencontrez une femme, vraiment. Restez à distance. Si vous voyez la fille et puis vous l'aimez, restez à distance d'abord. Ne rentrez pas en contact avec elle. Restez à distance, priez et demandez à Dieu de vous montrer qui elle est. Est-ce que le diable est déjà passé par là? Oui. Elle dit, est-ce que le serpent est déjà venu la voir dans le jardin d'Éden? Et est-ce qu'il a trompé? Est-ce qu'il a réussi à la convaincre? Qu'est-ce qu'il a laissé avant de partir? Qu'est-ce qu'il a mis dans sa tête? Est-ce qu'elle est initiée? Posez-vous les questions, je vous dis. Posez-vous ces questions. Maintenant, la vie est risquée. C'est trop risqué. C'est pas de la blague. Posez-vous les questions. Posez-lui les questions. Les vraies questions. Ah. Posez de la question à Dieu. Ah, Dieu, dis-moi tout. Qui est cette personne? Est-ce que cette fille est une sorcière? Est-ce que je est-ce qu'elle va me soutenir le jour où je n'aurai rien? Ah! Si elle a le Saint-Esprit, tu es sauvé. Si elle prie et qu'elle prie et adore Dieu en esprit en vérité, tu es béni. Mais si elle a la sorcellerie et que le serpent, le Satan est déjà passé là, tu es dans le problème. Ah! Et en plus de ça, il y a les mamies Wata. Les sirènes des eaux, les esprits des eaux qui sont en train de travailler dur sur les femmes d'aujourd'hui. Et que je vous dis que les femmes sont beaucoup utilisées par le diable, vous allez me comprendre. Ah! Affaire des sirènes des eaux, genre les démons qui se trouvent dans les eaux là-bas, qui sont un peu. Qui s'occupe des femmes. Ces démons-là. D'après les témoins qu'on a reçus, on nous explique que ces démons-là sont en train de travailler dur afin que toutes les femmes de la terre puissent les appartenir. Est-ce que vous en rendez compte? What? J'entends ta soeur là. Et un démon dans les eaux là-bas, dans le monde des sirènes. Et ce démon-là est en train de réfléchir chaque jour sur comment il va faire pour que ta soeur puisse être en sa possession
puisse travailler pour lui et influencer le reste du monde dans la mauvaise chose. Même le diable veut l'utiliser pour pouvoir détourner les saints du chemin de Dieu. Qu'est-ce que c'est censé dire? Qu'est-ce que ça veut même dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout ce que tu vas voir dans ce monde, il faut faire attention à cela. Surtout quand tu es une femme ou tu es une fille. Parce que le diable vous cherche, vous les femmes et les filles, le diable vous cherche sérieusement. Et la première chose à faire, c'est qu'il veut vous rendre accro à ces choses. Il faut que vous aimiez ces choses plus que tout, au point où vous avez du mal à vous en débarrasser. Premier élément, les maquillages. Regardez mon visage. Est-ce que j'ai besoin de me maquiller pour être beau? Moi, mais je cherche même pas à être beau. Regardez. Moi, mais je m'ennuie même pas. Je me lève le matin, si je me suis lavé, Dieu merci. Si je me suis pas lavé, bon, à demain. Je m'en fous. Mais malgré tout ça, Dieu s'arrange à ce que, voilà, tout ça clean quoi. Parce que j'ai venu parler à mes chers amis ici. Et puis, c'est propre. C'est là, sans maquillage. Sans maquillage, rien. Tranquille, je n'ai pas de mal à me présenter. Et tous les hommes du monde n'ont pas du mal à se présenter comme ça. Hein. Clean, simplement. Ils n'ont pas besoin de maquillage. Mais, regarde ce qui se passe avec les femmes aujourd'hui. Elles veulent tout le temps paraître. C'est devenu le matu vu. Et quand elles veulent apparaître devant les gens, elles veulent être tout le temps maquillées. Souvent, mais quand tu prends la caméra, tu dis chérie, attends, viens, on va se prendre un selfie. Viens se prendre une photo. Photo de couple à l'amoureux. Quand tu lui dis ça, elle prend le paillet, fait son visage. Et tu dis, mais qu'est-ce que c'est, papa, toi? Tu te trouves pas jolie ou quoi? C'est là que tu dis, non, écoute, je suis dans mon mauvais jour. Écoute, je ne me suis pas encore maquillée. Laisse-moi, donne-moi juste quelques minutes. Je vais me maquiller rapidement. Et puis, on pourra faire tout ce que tu veux. Ah! What? Elle refuse d'apparaître dans la photo sans maquillage. Et là, toi, l'homme, tu te dis, mais what? Toi, tu es sans maquillage, mais elle est obligée de se maquiller tout le temps. Juste pour apparaître dans une photo. Qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qu'elle cherche? Je vous l'ai dit. Le diable a décidé de s'arranger, de tout faire pour créer de belles choses afin de pouvoir vous séduire et faire en sorte que vous soyez accro à ses produits. Et c'est ça. L'histoire de maquillage. Les gens qui refusent maintenant de se filmer sans maquillage, ce sont les gens qui sont accro aux objets du diable. Cette beauté que tu vas avoir après le maquillage, nous tous on sait que c'est du fake. Nous tous on sait que c'est du faux. C'est comme un masque. Tu casses quelque chose derrière. Et c'est aussi ce qui se passe. Le diable vient, il te parle, il te dit écoute, Dieu t'a créé bien, mais c'est pas trop bien. Moi, je peux te donner quelque chose que tu feras prier. Même prier encore plus. C'est là. Lui et ses démons. Ils ont réfléchi, ils ont décidé de créer des peintures à huile pour le visage des femmes et de toute personne qu'ils aimeraient vraiment les utiliser. C'est à ce moment-là que les maquillages sont nés. Est-ce que vous savez d'où viennent les maquillages, comment on fabrique ce genre de choses? Souvent vous ne le savez pas. Rassurez-vous quand même avant d'utiliser certaines choses. Et qu'est-ce qui se passe? La beauté que vous recevez là, ça devient en même temps la beauté d'une sirène. Parce que les sirènes là, je ne rigole pas avec vous. Hein. Les démons avec les sirènes là, elles sont belles d'une manière. Toi-même, si tu la vois, tu as dit what? What? C'est quoi ça? C'est pourquoi vous voyez les femmes maquillées
elles paraissent comme des gens qui viennent de sortir de l'eau. Elles sont d'une beauté terrible. Elles sont d'une beauté terrible. Même moi-même, vous allez. Surtout si je me maquille. Vous allez penser que je viens du ciel. Je suis un ange que Dieu veut de créer nouvellement. Je veux de sortir du carton. On vient mettre de faire le déballage, le carton, le unboxing. Parce que je vais apparaître beau devant vous d'une manière non, que vous-même vous n'allez pas comprendre. Ah, c'est ça, l'effet de la puissance de la sirène qui se trouve dans le maquillage. Mais ça paraît simple. Ça paraît très simple. Et c'est devenu une chose normale. Au fur du temps, c'est devenu une chose normale. Maintenant, là, personne n'en parle. Et les gens disent quoi? Les gens disent que Dieu lui-même comprend. Dieu lui-même comprend. Quelque chose qu'on va faire Dieu pour Dieu comprendre. Comprend. Ah! Tant que Dieu t'a créé, c'est comme ça que tu vas te récupérer. Mais il y a quelque chose qui se passe derrière que tu ne peux pas comprendre. On entend maintenant des témoignages où des gens, où des femmes surtout, ont été gens dans la délivrance. Des démons ont commencé à se plaindre. Gens, on chasse les démons, On chasse les démons, ils ne le savent pas. On dit, mais pourquoi? Pourquoi tu n'es pas sorti? Quel est le problème, toi? C'est là qu'on va te confesser pour dire, écoute, ce qui est, c'est la petite qui se trouve sur le visage, ça m'appartient. Et puis, tu dois savoir que les faux cheveux qui se trouvent sur sa tête là, ça aussi, ce sont des choses qui m'appartiennent. Quoi? Tant qu'elle a ces choses, moi je ne les quittais pas parce que voilà, elle a des choses qui m'appartiennent sur elle. Et c'est pas de la blague. Quand vous avez un objet qui appartient au diable sur vous, c'est vous lui donner la légalité sur vous. C'est pas de la blague. C'est comme toi, tu n'aimes pas un gars et tu prends son argent. Tu n'aimes pas le gars, mais tu prends son argent. Mais là, qu'est-ce que lui s'est dit? Il s'est dit que tu l'aimes. Et qu'il peut tout faire avec toi. C'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est par ces gens de voile que le diable passe jusqu'à ce que la fille, là, un jour, elle trouve une autre fille, sa camarade, qui va lui dire, écoute, viens, je connais un frère marabout qui peut t'aider à devenir riche. Ou bien avoir certaines choses. Et elle tombe maintenant facilement dans ça. Oui. Parce que elles sont déjà habituées aux choses du diable, c'est-à-dire les maquillages, les faux cheveux, tout ce qui est fou, tout ce qui est faux, tout ce qui est fake. Donc, ça sera maintenant facile pour elles d'adhérer aux pratiques occultes. Surtout quand elles savent qu'elles auront beaucoup plus de moyens pour pouvoir faire tout ce qu'elles veulent là, même elles sont même encore plus chaudes. Ouh, on est chaud, c'est comme vibrer. Le potable est en train de vibrer. Et c'est là, après tout ça, qu'elles vont avoir de l'argent maintenant, c'est pour faire quoi? C'est pour aller se montrer sur les réseaux sociaux, se prendre en photo sexy. Et nous tous, nous les garçons, nous on va souffrir. Parce qu'on va tout le temps vos fesses et vos seins exposés dans l'air, dans le ciel, dans la télévision, dans les mamies du voisin. En ce moment, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, mais la fille là, eh mais provoque ou bien c'est même quoi? Ça c'est de la provocation. Comment je suis là tranquillement? Pourquoi tu veux me montrer ton postérieur? Qu'est-ce que là-bas? Maintenant bon, tu me montres ce postérieur, tu as des milliers de kilomètres de moi. Je fais comment? Qu'est-ce que je fais? C'est là où elle comprend que le diable est en train d'utiliser les femmes, les filles d'aujourd'hui pour accomplir une mission terrible. Et c'est là la sorcellerie commence. Quand une femme s'habille de façon sexy, c'est pourquoi? Dites-moi, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'elles disent en général? Elles disent, oh non, vous savez, c'est juste pour se sentir bien. Mais tu peux t'habiller normalement, simplement, et tu vas bien te sentir, que ça va pas être toi. Est-ce qu'il y a un problème de santé à ça? Moi, je ne comprends pas. Mais pourquoi tu as toujours, tu veux te déshabiller? On a l'impression que tu veux te déshabiller, mais tu veux te mettre nu. Tu nous amènes. Tu nous amènes maintenant. Ah. Elle a dit non. Acceptez-moi tel que je suis. Je ne vous juge pas. Mais comme ceci. Ouais, nous ne sommes pas tes juges, mais nous sommes tes juste de dire comment on se sent. C'est quoi raison? En fait, quand tu habilles de façon sexy, tu nous séduis. Ça nous fait penser à trop de trucs. Là, elle va vous dire, mais
Mais si c'est comme ça, ne regardez pas ça. Mais est-ce que ça ne tombe pas sur vos yeux tout le temps? Il avait créé un système d'images dans la tête des hommes qui fait que à chaque fois, ils ne font que penser à des vilaines choses. Même quand ils prient, là, ils pensent à la femme. En train de prier, mais ils pensent au posterior d'une fille qu'il a vue il y a quelques minutes. Tout ça, c'est le diable qui fait. Et le diable manipule la femme comme ça. Ça, c'est la partie visible de la sorcellerie que le diable a été de faire au travers des femmes. Oui. Une femme qui expose sa nudité sur les réseaux sociaux est un agent du diable. Elle est même pire qu'une sorcière. Oui. Et les gens qui vont venir regarder sa photo et qui vont apprécier son corps seront tous en train de pécher. C'est comme Adam qui reçoit le fruit venant de Ève. C'est la même chose. Il a mangé le fruit. Il a mangé le fruit. Et il a même laissé un like. Hein. Il a liké le fruit. C'est là que je vous ai dit. Ah, j'ai réfléchi jusqu'à. Je dis ouais, il faut qu'on se lève et qu'on fasse un peu plus attention. Le diable est utilisé nos mamans et nos filles, nos jeunes soeurs, nos cours. Il faut qu'on se lève et qu'on prie un peu pour elle et qu'elle puisse se réveiller, que tu les délivres. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a une histoire bizarre qui a été se passer sur les réseaux sociaux. J'essaie de vous en parler en début de semaine. Une femme, une autre fille, elle allait dans son. Elle a quitté le monde des blancs. J'allais chez les blancs là-bas, l'Europe, ou ils aiment pas quoi. Elle a quitté là-bas, elle vit en Afrique pour se laver. Genre. Aller dans le bois sacré, quoi. Se laver pour avoir beaucoup plus de bénédictions. Mais venant des personnes mystiques, ça m'a tourné. Elle est décédée dans ça. Et la chose la plus grave, c'est que pendant qu'elle mourait là, quelqu'un a filmé ça et a posté sur les réseaux sociaux. Toutes les femmes qui sont là-bas maintenant sont réveillées. Ouh, oh non, c'est pas possible, c'est pas possible. Qui a tué notre soeur? Il faut qu'on fasse notre soeur. Et les gens commencent à chercher la personne qui a donné le numéro à cette soeur afin qu'elle puisse se retrouver dans un tel lieu. Alors que selon les informations que nous avons recevoir, elle avait fait ça une fois. Mais la deuxième fois, apparemment, ça a mal tourné. Et quand les femmes meurent, les gens parlent un peu. Et ça passe comme ça. Et tout son corps sont sur la chaîne, sont sur la liste. Au lieu de se confesser maintenant et d'abandonner les mauvaises pratiques, les mauvaises œuvres, le péché, la sorcellerie, hein, elles ne vont pas se confesser. Hein. Elles vont se mettre à dire, oh, celle-là, c'est parce que elle a mal fait, elle n'a pas bien suivi le processus, sinon nous, on a l'habitude de faire ça et puis ça marche. Donc, quand vous allez basser les hommes, là, vous les mettez dans les canaries, dans les bouteilles et autres, là, ça vous plaît? Ah! Le monde est risqué. Quand tu n'as pas l'argent, tu mets dessus. Quand tu as l'argent, on te basse. Pourquoi pas ton argent? Moi, bon, aujourd'hui, ça peut marcher. Parce que mes frères et sœurs ici vont prier maintenant pour la délivrance de toutes les femmes de la planète. Est-ce que vous êtes chaud? Si vous êtes chaud, commencez à prier. Que votre prière soit orientée vers les femmes. Et si vous voulez savoir pourquoi le diable attaque tant les femmes d'aujourd'hui, vous allez le comprendre. Un ex-sataniste nous a clairement dit que parmi les ennemis du diable, les ennemis qui sont vraiment au un niveau vraiment haut là, ce sont les femmes. On dit mais pourquoi? Il dit c'est parce que ce sont elles qui ont donné naissance à Jésus. C'est à cause d'elles que Jésus est venu ici. Comme elles donnent naissance à de grandes personnes qui viennent dans ce pays pour sauver d'autres personnes ici. Donc, le diable va les combattre. Mais il va d'abord commencer par les faire croire, qu'il les aime. Est-ce que c'est démontré par les vêtements sexy? Voilà. Les inventions, les nouvelles inventions. Voilà, vous voyez la chirurgie esthétique. Et vous voyez aussi ce qui se passe autour de vous. Quand tu as des petits seins, tout le monde se moque de toi. Il faut que tu aies été fait changer les seins et tout le monde commence à dire « Oh, c'est bien, c'est bien. » Mais ça, c'est pour le premier jour.
Parce que le jour suivant, les mêmes vont encore venir vers toi pour te dire que oh, tout ça c'est du artificiel, c'est du caoutchouc. Au final, tu vois que tu es en train de tourner en rond comme ça. C'est le diable qui te manipule. Il te combat, mais il te fait croire qu'il t'aime, il est en train de t'aider. C'est sa stratégie. Il te fait croire qu'il t'aime, mais il est en train de te combattre. Ma soeur, réfléchis avant de prendre de telles décisions. C'est pas de la blague. Est-ce que la vie est courte? La vie n'est pas courte. Mais les gens sont en train de les bains noirs, de les pratiques occultes, de les choses noires juste pour devenir riches et célèbres facilement et rapidement. À cause du matu vu. Tout le monde a qu'à me regarder. Tout le monde a qu'à me regarder. Regardez, j'ai des seins aujourd'hui, j'ai des seins. Ça là, ça vous conduit en enfer one by one. Si et seulement si vous ne vous repentez pas, repentez-vous maintenant. Repentez-vous. Mes soeurs, même si tu as fait la chose esthétique, tu as changé tes seins, tu as changé tes fesses, le mal est déjà fait. Mais comme tu es encore en vie là, Dieu peut te pardonner. Ouais. Dis seulement, Seigneur, je reconnais que j'ai mal fait, pardonne-moi. Pardonne-moi. Vraiment, ça c'est comme un chemin sans retour. Tu ne pourras plus retrouver tes seins d'origine. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Répondez-moi en commentaire, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Waouh! Waouh! C'est extraordinaire! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nuance Urban et toutes ces trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez aller sur une page web où vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc-notes où se trouvent nos informations bancaires. Que Dieu bénisse frères et sœurs. Names reborn.